Ce groupe porteur se réunit et s'enrichit d'associations caritatives, de nouveaux habitants, de représentants de l'action sociale. Aussi, trois membres suivent une formation auprès du réseau des Accorderies de France en septembre 2015. Aussi, par l'implication des membres du Conseil de développement du Val de Fensch, tout cela aurait été difficile et plus long. En décembre 2015, l'association Ellipse accepte de porter le projet, le temps que se constitue une association autonome. Le groupe identifie collectivement le lieu géographique pertinent pour l'implantation de la corderie, la ville d'Eyange, cœur de la vallée de la Fensch. Enfin, la corderie de la vallée de la Fensch est née le 11 juillet 2016, suite à l'obtention de l'agrément du réseau des accorderies de France. Aujourd'hui, notre accorderie compte 111 membres ayant échangé 180 heures et propose une soixantaine de services, de l'aide pour déménager ou faire des courses, en passant par des cours de guitare ou des travaux de repassage, des ateliers de broderie, des ateliers de remise à niveau en informatique et des soutiens en français. Tous les talents et les bonnes volontés sont invités à s'engager. La corderie vise à lutter contre la pauvreté et l'exclusion en renforçant les solidarités entre les personnes d'âge, de classe sociale, de nationalité et de sexe différents. Ange, Famec, Florange, Fontois, Eyange, Ilange, Jarny, Knutange, Manom, Marange, Sylvange, Metz, Neufchef, Nilvange, Romba, Serremange, Erlange, Terville, Hucange, Vitry-sur-Orne, Utz, Thionville. Tous les services sont mis sur le même pied d'égalité, informatique, couture, repassage, aide aux devoirs, courses. En France, le réseau regroupe actuellement 34 accorderies pour 11 300 accordeurs. Les membres du conseil d'administration vous remercient de vous intéresser à ce projet, qui est le seul en Lorraine. Merci à nos partenaires financiers, la communauté d'agglomération du Val de Fensch, la Caisse des dépôts, la Fondation Massif, la Fondation Batigère, le département Moselle et le Grand Est. Merci aussi à nos élus des communes de la communauté d'agglomération du Val de Fensch, aux membres du conseil de développement du Val de Fensch, au réseau des accorderies de France, à tous les partenaires associatifs et bien évidemment aux accordeurs. Donc on a une valeur, on partage une valeur ici à l'accorderie, on défend une valeur, qui est le partage. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va vous proposer de partager ce temps de parole aussi. Et du coup, on va donner la parole à nos financeurs, aux accordeurs et à ceux qui le souhaitent, bien évidemment.